Fin des vacances pour certains, on a un changement de rythme à l'approche de l'automne et on perd de sa motivation. Alors je vais vous aider à retrouver cette motivation. Alors pour ma part, j'ai plusieurs astuces. Alors d'abord, ce phénomène, comment s'explique-t-il? C'est ce que nous allons voir donc dans ce petit court-métrage. La flemme vous démange, mais c'est normal. Pourquoi? Vous devenez un petit peu plus malade. Là aussi, c'est normal. Il y a un peu moins de soleil et donc votre corps crée un peu moins de vitamine D. Et voilà, vous tombez malade, vous avez un petit peu la grippe. Alors, il y a des remèdes et je vous rassure, il y a le sport. Alors, pour ceux qui ont plus cette motivation, je vous montrerai mes motivations personnelles, vous allez voir. Mais il y a aussi une bonne alimentation. Alors, ça aussi, c'est compliqué pour vous. Cela nécessite aussi de trouver un catalyseur pour se motiver. Alors, personnellement, et je vais vous le montrer, j'ai opté pour la solution achat qui marche très bien chez les femmes mais aussi chez les hommes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis un fan de Marvel et pour honorer le titre de Marvel, je me suis acheté deux t-shirts que si je les mets, je ressemble à rien, mais ce que j'espère, et c'est toujours dans le but du défi 12, de pouvoir les mettre et de ressembler à quelque chose. Ça, c'est une première astuce. Alors, je vous les montrerai. Et il y a une deuxième astuce, c'est trouver de la lumière. Donc, écartez vos rideaux, allez au maximum dehors dès qu'il fait beau. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont en appartement, qui ne peuvent pas, qui ont repris le travail, il y a des lumières qui imitent la lumière du soleil. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne. Alors voici un appareil donc, que j'ai acheté qui permet de restituer la lumière du soleil. Alors si j'appuie sur ce bouton, attention les yeux, voilà, vous avez une lumière très puissante qui vient donc vous arroser le visage et donc vous retrouvez de la gaieté. Il y a également une autre solution, c'est aussi de mettre donc des habits colorés de façon à égayer votre journée. Lâchez le gris, repartez donc sur quelque chose de coloré. Et je vous avais parlé de ma motivation personnelle. Alors voici donc les deux t-shirts Marvel. Alors lequel préférez-vous? Marquez-le moi en commentaire en bas. Et puis j'espère très rapidement, peut-être pas, mais disons qu'à la fin de mon programme du défi 12, pouvoir les mettre et ressembler à quelque chose. Alors si vous aussi vous avez donc idée de partir sur ce projet là, j'ai acheté ces t-shirts sur Wish, W-I-S-H. C'est une société donc plutôt chinoise. Ah oui, je sais, je ne favorise pas le marché européen. Et alors on ne le fournit pas. Voilà, donc ici vous avez ce choix-là possible et bien sûr il y en a d'autres, hein. Il y avait même Superman qui était très joli, mais non plus je ne vais pas pouvoir collectionner l'ensemble de tous les t-shirts. Si vous aussi vous languissez de l'été prochain pour me voir ridicule, eh bien, continuez de me suivre, bien sûr vous aurez tout ça en images. Gardez la motivation, ça va vous servir pour la suite du programme. Allez, au revoir. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.